L'opéra Laoqiang, composé d'ombres chinoises, est originaire d'un petit théâtre local du district Huayin de la province du Shaanxi. Il est vieux d'une histoire deux fois millénaire. C'est l'un des plus anciens théâtres de Chine. Ce village, situé au pied du mont Huashan et au bord du fleuve Jaune, est bien le village Shuangquan de la ville Huayin, berceau de l'opéra Laoqiang. La majorité des habitants de ce village portent le nom de famille Chang. Chang Siming, qui a 60 ans, est l'un des principaux héritiers de cet art. C'est aussi le chanteur principal de la troupe Siming d'opéra Laoqiang. Il chante de génération en génération sur cet opéra composé d'ombres chinoises. Les habitants l'appellent l'opéra ombre Laoqiang. Selon les inscriptions sur pierre, le terrain derrière le village fut, au temps de la dynastie des Han de l'Ouest, une cité d'entrepôt imprenable. Il y a plus de 2000 ans, furent entreposés sur ces monts quantité de céréales qui alimentaient la capitale impériale, Chang'an. Entre 1980 et 1983, des archéologues de la province du Shaanxi ont entrepris des travaux de fouilles de grande envergure sur les ruines de ces entrepôts antiques. Ils ont identifié les ruines de 6 entrepôts à céréales. Située aux confins des trois provinces du Shaanxi, du Shaanxi et du Henan, la ville Huayin est à 120 km de Xi'an, l'ancienne capitale de plusieurs dynasties. Elle est depuis longtemps réputée comme étant un nœud de communication. Cette région à relief incliné du sud au nord, elle est connue pour ses beaux paysages, dont le célébrissime mont Huashan, situé dans la partie sud de Huayin. Le fleuve jaune, les rivières Luohe et Weihe convergent dans la partie nord de Huayin. Sous la dynastie des Han de l'Ouest, la confluence des trois cours d'eau formait une importante plateforme. À l'époque, les céréales provenant de tous les coins du pays étaient acheminées ici. Après un traitement dans les entrepôts, ces céréales étaient réexpédiées par bateaux impériaux à la capitale, Chang'an. Aujourd'hui, la plateforme a depuis longtemps disparu. Cependant, l'opéra Laoqiang s'est enraciné dans le village de Shuangquan, au bord du fleuve Jaune. Même aujourd'hui, les troupes des familles Chang, comme Siming, Tunming et Xinming, donnent encore des spectacles dans la ville Huayin et les régions voisines. À chaque fois qu'ont lieu d'importants événements familiaux ou communautaires, Zhang Ximin et son équipe sont invités à donner une représentation d'opéra Laoqiang composée d'ombres chinoises. Contrairement à la douceur et à la magnanimité des arts théâtraux chinois,
Cet opéra folklorique présente un caractère ouvert et puissant, avec des chants dégagés, énergiques et percutants. Le répertoire de l'opéra Lao Tiang prend pour thème les batailles historiques. Il s'appuie sur les ombres pour être représenté. Seuls 5 ou 6 acteurs réunis suffisent à jouer une pièce à merveille. 你看这学生唱的呢，我这里想家哪里家，你看就不一样了，再和小四这，夜里走过桃花店，儿离过了杏花村呐。 Un seul chanteur chante les différents rôles. Quand les scènes et les décors changent, les autres chanteurs le rejoignent pour plus d'effet. En fonction de l'évolution du jeu, les coups portés sur du bois de jujubier commencent aussi à retentir de plus en plus fort, ce qui porte le jeu au point culminant, et cela d'étape en étape. Dans ce petit local destiné à une démonstration, la petite scène est surchargée d'ombres et de différents instruments musicaux. On disait jadis que cet opéra comptait 20 de sortes d'instruments musicaux, dont certains ont disparu au cours de la transmission de la tradition. Quoi qu'il en soit, 12 de sortes d'instruments existent encore de nos jours.鼓、杆鼓，再一个是手锣，再一个云锣，这个半，这个乐器，这几位是物件东西。拉半壶的一个半壶，一个吹的那喇叭，再一个大轿子，就是三样，这就8样了。打胡桃的一个半子，一个中人，一个马锣，一个大锣，就4样。 在这个福前寿吹喇叭，再个单板。 L'opéra Lao Tiang ne recherche pas la sophistication dans ses airs. Il tient à l'authenticité des cris provenant du fond du cœur et aux sentiments découlant de ses chants. D'habitude, le vieux Zhang parle d'une voix un peu cassée. Mais dès qu'il monte sur scène, il chante d'une voix claironnante pendant des heures, de plus en plus claironnante. Ah,
在这个三个小时的情况下，一个小时上一次香，它从底下开始，嗓子就慢慢发了热了，哎，发了热了以后，到中间就开始上的，吸到这最后可以再上一次，是最高的，它是不容易坏。 L'opéra Lao Chang donne une impression raboteuse et dégagée. Parfois, il est très difficile d'atteindre la voix haute. Pour que la voix reste claironnante, le vieux Zhang, malgré sa soixantaine, travaille régulièrement la voix sur le versant hors du village. Cependant, une belle voix ne suffit pas à un acteur pour être performant dans le jeu d'opéra Lao Chang, puisque ce dernier ne comporte pas de partition. Le répertoire est transmis oralement. Un jeu dure généralement plus d'une heure. Les paroles sont nombreuses et il est parfois difficile de retenir les airs correspondants. C'est pour cela que Zhang Ximin a souvent été puni par son père. 有时候你这一段子啊，或者是有三两句，这个调音声不够到位，几次不到位，这个夫妻方面，或者讲的人他就不满意，好像你这个人很美，他不打你，你不好好学嘛，哎，或者罚你就亏在这，回家就叫你定调转了，你把这个学会了以后。 Né dans la famille Zhang à Huayin, l'opéra Lao Chang fut jadis transmis de génération en génération au sein du clan, dans le village Shuangquan. À l'apogée de cet opéra, le village Shuangquan, composé de quelques centaines d'habitants, comptait déjà une dizaine de troupes d'opéra Lao Chang. Finalement, cet opéra fut malgré tout divulgué ailleurs. Mais le système de gestion de la conservation de cet art limitait son développement et sa zone d'influence. Cet art folklorique est menacé d'extinction. Zhang Ximin désire vivement le transmettre à son fils, mais ce dernier n'est pas enthousiaste. À la fin de ses études au lycée, il est parti travailler sous d'autres cieux. Aujourd'hui, les vieux artistes ont pour le plus âgé 70 ans et le plus jeune 50 ans. Cet art, qui s'est transmis de génération en génération pendant 2000 ans,
est menacé par le manque d'héritiers. Pourquoi l'opéra Lao Tiang, qui était si apprécié du public, ne plaît-il plus aux gens? Serait-ce la fin, après un parcours deux fois millénaire? Contre toute attente, ces vieux artistes ont rencontré un homme qui allait changer leur destin, et aussi celui de l'opéra Lao Tiang. Cet homme s'appelle Dong Anhua. Dong Anhua a convoqué ces vieux artistes à qui il a proposé une idée audacieuse. Il voulait qu'ils abandonnent les ombres pour jouer directement sur scène face au public. L'idée de faire monter l'opéra sur scène est certes bonne, mais sa concrétisation n'est pas aussi simple. À l'issue d'une vingtaine de jours de répétition, les vieux artistes sont enfin parvenus à jouer sur scène, sans gêne. Le premier spectacle a été couronné d'un franc succès. Le léger rideau a été supprimé. Cela avait l'air d'un petit pas en avant. Mais ce petit pas a permis à l'opéra Lao Tiang d'aller à la rencontre du public dans tout le pays. En juin 2006, 12 artistes de campagne de l'opéra Lao Tiang ont participé à la pièce théâtrale Terrasse du cerf blanc, mise en scène par Lin Zhaohua au théâtre de la capitale de Beijing. Dans cette pièce, l'art Lao Tiang, simple mais majestueux, et les charmes de son caractère primitif ont conquis le public de Beijing. Donc,
Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à connaître l'opéra Laoqiang. L'art et les artistes de Laoqiang commencent à donner des spectacles à Xi'an, à Shenzhen, à Shanghai et à Beijing. En tant que forme d'art antique, l'opéra Laoqiang devient progressivement, autant que le mont Huashan, une carte de visite de cette ville. Nombreux sont les gens qui commencent à s'intéresser au village antique Shuangquan et à l'art Laoqiang qui y est né. Par les champs affranchis de Laoqiang, les membres de l'action Visite du fleuve mer ont profondément été convaincus, admiratifs, intéressés par cette forme d'art. Lui Qijian s'est mis à apprendre l'opéra Laoqiang au nom de tous les participants de cette action. L'opéra Laoqiang jouit d'une réputation de plus en plus grande après avoir été joué sur scène et retransmis à la télévision. Nombreux sont ceux qui commencent à l'apprendre. Les artistes ont aussi abandonné leur tradition millénaire de ne transmettre cet art qu'à leur propre descendance. Ils apprennent aujourd'hui cet art aux gens qui ne sont pas de leur clan. Ils foulent d'épier la tradition de ne le transmettre qu'aux garçons. L'opéra Laoqiang ancestral, composé d'ombres chinoises, évolue discrètement. Ce qui rend le vieux Zhang particulièrement joas est que sous ses influences imperceptibles, son petit-fils Zhang Meng s'intéresse progressivement à l'opéra Laoqiang. Aujourd'hui, avec l'aide du grand-père, Zhang Meng peut déjà chanter plusieurs morceaux d'opéra Laoqiang. Il
这是我爷爷的一种祖传，现在传到了我手上，我即使考上大学，也必须利用时间把它好好学，因为这是一种祖传，会没有人学，可能会失传，如果考不上大学，我必然会把它珍惜，一定会认真的学，然后传给下一代。 Le fleuve jaune, à côté du village, coule depuis des milliers d'années. L'opéra Lao Tiang est chanté depuis des milliers d'années aussi. Malgré les difficultés présentes, cet art qui coule dans le sang de ces hommes comme l'eau du fleuve dans la terre, vivra de génération en génération, pour toujours.